Bonjour tout le monde. Ronja Nington. Nous revenons au plus pur état de conscience et utilisons ce plus pur niveau de conscience pour fusionner avec le champ de conscience mondial. C'est une pratique très essentielle. Une fois que nous avons fusionné avec le pur champ de conscience mondial, nous ramenons la conscience et utilisons le pouvoir du champ de conscience mondial pour transformer le corps de Qi et ressentir que la plus pure conscience et le pur champ de conscience mondial vient dans la tête, le cou, et observe le corps à l'intérieur petit à petit jusqu'à sentir qu'à l'intérieur tout devient vide. Que la pure conscience peut passer facilement partout dans chaque petit espace pour permettre à chaque espace de devenir des purs espaces de Qi. C'est un Kung Fu très basique. C'est une fondation de toutes les autres méthodes pratiques. Quand la conscience et le champ de conscience passent au travers de tout le corps, vous ressentez que toutes les parties de votre corps deviennent vides, harmonieuses, vides et pures. Cela signifie que la conscience fusionne avec le corps à travers l'observation. La conscience devient un avec le corps. C'est une fondation importante. Quand vous avez cette fondation, alors plus tard, nous irons dans le module 2 de Mingjue Kung Fu et cela va être très facile pour vous. Quand vous allez à l'intérieur du corps, que vous sentez le vide, c'est différent que lorsque la conscience va dans l'univers pour ressentir le vide. Quand la conscience va dans l'espace de l'univers, vous sentez le vide. C'est parce que l'univers est vide. Et parce qu'il y a une visualisation. Mais lorsque vous observez à travers le corps, et que vraiment vous allez au travers, et que vous ressentez le vide, ce n'est pas une visualisation. C'est une observation réelle. Vous ressentez que vous êtes dans un état de Qi. Et cet état de ce Qi reste dans le corps de manière très stable. Une fois que nous avons cette fondation, à partir de l'espace intérieur, nous irons dans l'univers pour ramener le Qi de l'univers dans le corps et il pourra rester à l'intérieur du corps de manière plus stable. Parce que vous avez déjà une puissante connexion avec le corps à l'intérieur. Chacun, s'il vous plaît, prenez le temps de prendre conscience de ça. C'est très important. Il y a des gens qui aiment pratiquer des pratiques de haut niveau, très haut niveau, mais ils ignorent les fondations. Je pense qu'il nous faut donner de l'importance aux fondations, leur donner de la valeur et construire de bonnes fondations. Chaque jour, pratiquer avec diligence pour aller de plus en plus profondément, pour construire de bonnes fondations. Et naturellement, nous pourrons aller vers des hauts niveaux.
Comment peut-on observer et fusionner avec le corps de Qi plus profondément? Nous pouvons utiliser Shen Ji, ce son, pour aider la conscience à se concentrer à l'intérieur. Quand vous observez à l'intérieur les sensations profondes, plus vous allez profondément, plus la conscience devient stable. Deuxièmement, nous pouvons utiliser la respiration. Nous pouvons utiliser la sensation de la respiration pour permettre à la conscience de pénétrer plus profondément. Troisièmement, nous utilisons les mouvements. Ces trois aspects, les sons, la respiration et les mouvements, ces trois, combinés ensemble avec l'observation profonde et une observation stable, la stabilisation de l'observation, nous pouvons faire l'expérience de plus en plus profondément à l'intérieur.